Bonjour et bienvenue, on est reparti pour plus de The Long Dark. Bienvenue pour la survie du week-end. J'ai changé mon intro parce que mon cerveau vient juste de bugger. Tout va bien. On est reparti. On est enfin reparti pour la survie du week-end. J'ai tué un ours. J'ai tué un ours. Ce qui était cool parce qu'il venait de la glace. Donc il venait. Hop. On est là. Il venait d'ici. Je lui ai mis quelques flèches, vous savez, je l'avais. En plus, j'ai déjà combattu celui-là en épisode. Où je me cache dans la petite cabane pour pêcher et tout ça. Donc je l'ai combattu et il a été extrêmement gentil. Il a couru jusque-là. Jusqu'ici, j'étais super content. Donc voilà. Pourquoi j'ai combattu un ours? Parce que je me suis rendu compte en fait que j'avais plus qu'une peau d'avance. Donc celle-là, elle est sèche et tout ça, tout va bien. Mais le problème, c'est que. Ah oui, mais je l'ai sur moi du coup. On a donc le sac à réparer, 64%. Donc on va encore attendre, on n'a pas vraiment besoin de le réparer maintenant. Mais j'ai aussi mes vêtements. Parce que j'étais en train de réparer mes vêtements et j'ai vu que bah, on va commencer à passer en dessous des 80%. Donc voilà. J'ai tué aussi beaucoup de loups. Enfin, c'était pas voulu honnêtement. Les loups, ils étaient les uns après les autres aussi, ces idiots. Donc du coup ils se sont pris des flèches à répétition comme une mitraillette, hein, un bam bam bam. Et du coup j'ai récupéré leur peau aussi, parce que je me suis dit peut-être qu'au bout d'un moment on va peut-être faire des vêtements, enfin refaire des vêtements en peau de loup, comme ça nous prendra moins la tête pour les vêtements en peau d'ours. Mais bon, voilà, c'est juste pour au cas où. J'ai rangé un peu les choses. Ah, je suis encore allé regarder les mods aussi. Ah, il y a un mode qui m'a plu. Je vais en parler après pendant qu'on avance. En tout cas, on est à 32 kilos. On est à 32 kilos, donc on est très très léger. On a exactement 10 flèches normales et 6 de petits gibiers. Honnêtement, même si on n'en a vraiment pas besoin. On va prendre de la nourriture. Les vêtements sont quasiment tous réparés. On a de la médecine et tout ça. On va reprendre de l'eau. J'ai combien d'eau? 4 litres, ça va. On est à fond. Alors j'espère qu'il fait bon. J'ai aussi ramené plein de boyaux. Mais ouais, j'ai refait un peu le. J'ai mis un peu d'ordre. Enfin, un peu vite fait. Hein. Le peu que je peux faire en fait, comme ça, sans mode. J'ai lu aussi quelques livres et tout pour monter. On va récupérer la batterie de voiture, si vous n'étiez pas au courant, je l'avais expliqué la dernière fois. Donc on va poser ça et on va prendre ça et ça. Donc j'ai pu cuire tout l'ours, donc il était juste là. J'ai pu cuire tout l'ours, donc j'étais très content honnêtement, j'étais très 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 content. J'étais extrêmement content de ça. J'ai bien le sac de couchage. Ouais, très très content de ça, de pouvoir cuire l'ours entier en fait. Ça m'a pris plus de 24 heures au final. Parce que l'ours était là, genre un peu par là. Je l'ai fait tout à la main, avec du feu à côté, vous savez, avec les faitouts et tout ça, pour que ça cuise plus vite, parce que normalement c'est à peu près 1 heure pour un steak, mais avec le faitout c'était 45 minutes à peu près. Donc à chaque fois, je découpais tout ça. Et ça m'a pris une journée entière, plus une partie de la nuit, en fait, pour tout cuire en une fois. Donc j'étais assez content, du coup, pour... Parce qu'en fait, j'ai vu que j'avais combattu quelques loups. Et je me suis dit, ouais, il y a deux loups, deux, trois loups, en fait. Et ça fait à peu près 5 kilos de viande à chaque fois. Je me suis dit, honnêtement, on n'a pas énormément d'allumettes ici, en plus. J'ai genre deux stacks qui sont même pas pleins. Je crois que il doit avoir une douzaine, une quinzaine, peut-être, d'allumettes sur moi. Et on a seulement une petite boîte, je crois, ici, qui est pas beaucoup, enfin qui est au camp là. Parce que toutes les autres allumettes, je crois bien qu'on les a laissées en fait à l'autoroute côtière. On les a laissées à l'autoroute côtière. Donc c'est vrai qu'au final, on n'a pas énormément ici. Je m'en suis rendu compte. Donc je me suis dit, je vais pas faire un feu. Je vais pas utiliser une allumette seulement pour faire genre 15 kilos de viande, quoi. C'est pas assez rentable, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce qui s'est passé. Je me suis dit, tiens, on va aller chasser l'ours. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Donc l'ours plus pas mal de morceaux de viande en plus.
Donc du coup on a je crois que c'était 30 kilos à peu près de viande. Je crois. Un peu plus de 30 hein, évidemment. Je crois que c'est 33 ou un truc comme ça. Tout cuit. Voilà. Et à chaque fois c'est 1100 et quelques de calories. Donc très très content de ça. Très très content de moi pour, par rapport à ça. En tout cas, à chaque fois je parle de mode et tout ça, je suis allé un peu refaire le tour. J'ai vu un mode, une personne a fait un peu ce que je disais par rapport... Vous savez, quand je parlais de Tarkov et tout ça. Genre, plus on fait des choses et plus on devrait être bon par rapport aux choses qu'on fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a un mode, ça avait l'air vachement intéressant. J'ai regardé aussi si ça pouvait corrompre ma sauvegarde. Et on va dire que ça dépend comment les mises à jour sortent. Il y a des chances que si jamais les mods soient pas mis à jour, on perde des choses en fait. Faudrait qu'on aille un jour là-bas, un peu plus là-bas en fait. Pour aller récupérer des bois et tout ça. On peut voir qu'il y a un bois qui est debout là. Donc voilà, je vais pas en mettre, mais c'est très tentant. C'est sérieux, il y a un ours là. Ok. Ça, c'est intéressant. Oh, ça me donne envie de le chasser lui aussi. Alors, on va pas le faire maintenant parce que c'est pas notre but. Mais c'est intéressant d'avoir un ours aussi proche de la zone. Très intéressant. Hop. Ok, on est bon. On est bon. Et du coup, donc, le mode en question, c'était la force. C'était la force. Donc, plus vous mangez bien, genre si vous vous gardez en bonne santé, c'est-à-dire bien nourri, comme ce qu'on fait nous, hein, depuis qu'on est cuisine 5. Si on est bien nourri, si on se blesse pas, si on n'est pas malade et tout ça... Et si aussi on utilise nos calories, ça veut dire qu'on reste pas à rien faire par exemple. Et ben on gagne de la force. Et on peut gagner de la force. Et ça va nous permettre, ça fait deux fois que je le dis, ça va nous permettre en fait de porter plus de choses. Et on peut avoir un bonus qui va monter jusqu'à 5 kilos. Donc voilà. C'est comme bien nourri en fait en gros. Donc je trouvais ça vachement sympa. Et si jamais on n'est jamais genre rassasié tout ça et qu'on est malade et qu'on se blesse souvent et tout ça, et ben du coup on perd de la masse musculaire. C'est vachement sympa ce système. Et si jamais on consomme pas nos calories, c'est-à-dire comme j'ai dit, genre on dort mais on fait pas de course, vous voyez, on brûle pas en fait nos calories, ben on gagne pas de masse musculaire. C'est vachement intéressant ce mode. Je trouvais ça vraiment intéressant, le système, en fait, de la personne. On va voir si on peut semer l'ours, le loup, mais ça m'étonnerait. Ouais. Donc ouais, je trouvais ça super fun quand j'ai lu la description et tout ça du mode. J'ai trouvé ça super, super intéressant. Je l'ai pas mis, hein, bien sûr, mais... si jamais vous cherchez le lien des mods, hein, c'est dans la, ça va sûrement pas être dans la description parce que je vais oublier. Mais c'est dans une des playlists. Vous regardez The Long Dark mod de ma chaîne et il y aura tout plein de mods et dans la description il y aura les liens. Mais ouais, il y a plein de trucs fun que j'ai envie de tester. Mais ouais, la peur d'après avoir un jeu qui fonctionne plus après une mise à jour. Ça m'embête. S'il y avait un moyen d'être certain de ne pas pouvoir avoir de problème, honnêtement, je le ferais. Rien que pour ranger les maisons et tout ça, ça serait très très cool. Donc ouais. Après, j'ai regardé d'autres modes, il y en a quand même beaucoup qui sont pas mis à jour. Donc c'est pour ça que ça m'a refroidi en fait d'utiliser un mode. Je parle beaucoup de ça parce que là on est en train de juste de faire un aller-retour. Vous connaissez le chemin, on l'a déjà fait. Donc on va pas vraiment explorer que dalle. On connaît, on va juste récupérer la batterie. Et après on va aller l'installer. Alors je sais pas si on aura le temps de l'installer, mais on va la prendre en tout cas.
Oh, j'ai vu aussi un autre mode qui est intéressant. C'est des petites choses, c'est des petits détails, honnêtement, mais ça serait tellement bien. C'est par exemple, c'est par rapport au bâton, au bois de feu, là, genre le sapin et tout ça, là. Ça marche aussi sur le charbon. Donc le charbon pour dessiner les maps et le charbon pour brûler. Et vous pouvez faire des stacks, en fait. Vous pouvez faire des stacks de 10 et de 50. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Ok. De 10 et de 50. Et en gros, ça devient un objet. C'est comme si vous attachiez, par exemple, des genre 10 branches ensemble ou 50 branches ensemble. Et du coup, ça devient un seul objet unique. Et vous pouvez le déplacer beaucoup plus facilement et genre les entasser beaucoup plus facilement et tout. C'est vachement sympa ce système. Je crois qu'il nous a lâché. Non. Il nous a pas lâché. Par contre là le terrain est compliqué donc peut-être qu'il va nous perdre de vue. Donc ouais, j'ai trouvé ça, je me suis dit ah, ça a l'air vachement intéressant parce que c'est vrai que quand on fait des gros tas de bâtons et tout ça et qu'on pose tout par terre, c'est vraiment extra... Hop, il est passé juste là. C'est vraiment très relou en fait de cliquer 150 fois pour récupérer genre 50 bouts de bois quoi. Donc celui-là aussi il faisait très très envie comme mode. C'est vraiment très intéressant. Donc ouais, il y a plein de petits modes qui font envie. Il y a vraiment beaucoup de modes qui me font envie. Après, un mode comme ça qui permet de rajouter des objets, je pense pas que ça créerait des problèmes si jamais il y a une mise à jour. Maintenant que j'y pense. En fait, si le mode ne fonctionne plus, on pourra plus voir les objets. Je pense que ça sera ça. Mais j'ai peur que le jeu ne puisse plus lire la sauvegarde, en fait. Parce que le... Ah, c'est tellement bancal de temps en temps, ce jeu-là. J'ai peur qu'on puisse plus lire la sauvegarde. Si jamais c'est pas mis à jour. Vous voyez le problème? Mais ouais. C'est quoi ça? C'est un loup? Non, c'est pas. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre qui était intéressant? Des constructions aussi. Ça, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont faire, Interland, quand ils vont rajouter ça. Mais ouais, en tout cas, si vous êtes sur PC, honnêtement, de The Long Dark, et que vous n'avez pas une série comme la mienne, par exemple, où je suis obligé d'être certain de ne pas la perdre, vous voyez ce que je veux dire? Je vous conseille de tester les mods, ça peut être super intéressant. Ça peut redonner un coup de neuf au jeu et avoir des nouveaux challenges et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses sympas. On va vite, hein, on se déplace vite hein, quand on n'a pas de poids hein, sur nous. Enfin, je voudrais bien pouvoir mettre des planches là, qu'on puisse monter directement, ce serait bien. Là, il y a un loup. Est-ce que je peux descendre? Fait un peu haut. Ok. Nickel, bien joué. Ah, on l'a bien grugé, lui. Tu es sérieux? J'ai l'impression que l'intonation du patron de Peter Parker là. You serious? C'est marrant. Ça c'est pas des glands ça? Yeah, c'est des glands. T'es en train de passer sur le pont?
Je crois que t'es en... Je suis pas sûr. Normalement, il passe pas hein, sur les arbres. Hein. Je crois pas. Hein. Non, il doit être là, je crois. You serious? Voilà, j'ai raconté tout ce que je voulais. J'ai plus rien à dire maintenant. Quand c'est des allers-retours comme ça, de zones qu'on connaît, c'est... Ah, il me faut du contenu, hein. Faut que je comble les trous. Hein. Sinon, on parle de rien. Je vois pas où il est, là, le loup. Hein. Il doit être encore en bas. C'est bon, il nous a lâché. Ah, il y a un lapin qui s'est fait bouffer. On l'a entendu crier sur la gauche. Donc ici aussi, il y a des glands apparemment. Intéressant, on va devoir faire attention. Là-bas, là-bas. Vous avez vu? Bon bah tant mieux. Tant mieux. Nous on va... Bah tiens, on a chaud. Enfin on se réchauffe, c'est bien. On fait pas assez froid. Bon bah du coup on prend la batterie, on se casse. Hein. On va voir parce que le poids normalement devrait être nickel nickel. On devrait être en dessous du poids max et tout ça. Si je dis pas de conneries. Et on peut peut-être prendre du matos en plus. Hein. Et le ramener au lac Mystère en fait. Là, je crois que j'ai mon couteau. Ouais, j'ai mon couteau, mais j'ai pas ma hachette, j'ai pas ma scie, j'ai pas mon pied de biche, j'ai pas ma lampe. Je crois que c'est à peu près tout, en fait. Au final, honnêtement, on n'avait pas besoin de... On n'avait vraiment pas besoin de prendre deux morceaux de viande, en fait, maintenant que j'y pense. Je suis impatient d'aller voir là-bas, mais comme j'ai dit, pour le moment, on se concentre sur les tours. Mais, ah, je suis impatient de faire les petites zones là que j'aime bien. Parce que ça, c'est pas vraiment une très grande zone, mais c'est une zone assez intéressante. Il y a plein de zones comme ça que j'aime beaucoup. Des régions à faire. Mais c'est pas les plus grandes, en fait. Mais c'est les plus fun à faire. Mais bon, comme j'ai dit, on se concentre sur une chose à la fois. Pour le moment, ce sont les tours. De toute façon, ces voitures-là, on les a déjà fouillées, hein, donc ça peut pas apparaître, on est d'accord. Ah, d'accord. Putain, il m'a fait peur, c'est bien dit. Ah, il est juste là. C'est pas grave, on a d'autres entrées. Ce n'est point grave. On va passer par là. Bon ben voilà, c'est pas mal. C'était rapide. Alors, ici. Alors on va pas rester longtemps parce qu'après il va faire nuit et comme j'ai dit j'ai pas de lampe, rien. Je regarde juste s'il y a des trucs qui auraient changé, mais normalement non parce qu'on était passé après. Après toutes les mises à jour et tout ça. Est-ce que vous vous rappelez, c'était le dernier épisode je crois, où on était allé dans le bunker et le bunker avait changé là.
Mais bon, voilà, ça touchait le bunker, donc... Ça touchait le bunker, donc je pense pas que les autres choses aient changé. Ok, on se casse. Juste vérifier les voitures au cas où. Ta-ta-ta-ta. Allez, cassos. On se baisse. Et on prend notre batterie. Qui est là. J'ai eu peur pendant une seconde. Donc 15 kilos. Alors, pied de biche. Ah, c'est vrai qu'on avait deux jerrycans ici. C'est pas mal. Des allumettes. Kilos. C'est quoi ça? Je vais rentrer vite fait. Qu'est-ce qu'on prend? Il y a combien d'allumettes là? 12. Celui-là, on l'a pas lu. Ah, non, on va laisser les choses ici. On va laisser les choses ici parce qu'on reviendra ici, ça c'est certain. Donc ouais. 15 kilos, donc on a la batterie de voiture, ça y est. Yay. Ah, non, en fait, c'est limite-limite. J'avoue que c'est limite-limite. Ouais, 1125 de calories, c'est cool. Bon, bon, on n'a pas besoin de prendre plus que ça, parce que au final, on est limite. Allez, ciao. On se casse. Je me suis dit, on peut attendre, genre histoire de se réchauffer au maximum. Il m'a fait peur ce con. Se réchauffer au maximum, mais ça va. On n'a pas vraiment besoin. On va éviter de trop sprinter parce que sinon on va se fatiguer. Et là, ça risque d'être un problème après. On a quand même bien beaucoup sprinté. Alors maintenant, alors je sais pas si ça va être dans cet épisode parce que ça va être un peu limite. Je sais pas si on va directement repartir à la Vallée Charmante. Si jamais on repart à la Vallée Charmante, il va nous falloir un peu plus de choses. Il va nous falloir au moins la lampe parce qu'on a la grotte à passer. Après, est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que ça? Je pense pas. J'ai voulu tester. J'ai l'impression que ça a changé. On reste plus accroupi quand on rentre dans une voiture accroupie. C'est bizarre. Ou alors je l'ai mal fait. Bah non, je l'ai bien fait. C'est très bizarre. Ouais. C'est très étrange. J'ai vu aussi un mod qui rajoutait une écharpe en peau de loup. J'avoue que j'ai été tenté. J'ai été tenté. Elle protège de 3 degrés. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça a l'air bien.
Mais bon. Ah putain, c'est celui-là de la droite. C'est pas très bon de passer comme ça en... en bas d'une colline, mais bon, c'est pour l'éviter. Vu qu'on est déjà pourchassé par un. Tiens, une bonne question, parce que... quand j'étais en train de... je suis passé sur la glace, là, pour aller chasser mon ours. Donc, comme j'ai dit, j'ai tué beaucoup de loups, en fait, sur la... il y en avait 3, en fait, d'affilée. Et il y en avait 2 qui étaient côte à côte. Et ce qui est étrange, c'est qu'un m'a aggro et l'autre a fui. Et je suis en train de me dire que ça m'est jamais arrivé d'avoir plusieurs loups qui me courent après. Et je viens de réaliser, je crois que c'est pas possible. Après, bon, je me suis jamais volontairement mis dans cette situation, hein, faut l'avouer. Hein. Mais je suis en train de me demander, quand il y a quelqu'un qui nous suit, je sais pas si c'est possible qu'il y en ait plusieurs qui nous suivent, en fait. Et je dirais plutôt non, en fait. Donc si jamais vous avez déjà eu 2 loups, genre côte à côte, comme ça, qui vous suivent, je veux bien le savoir, je veux bien être au courant. Parce que au final, je crois que c'est pas possible. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Je vais pas dire qu'on a eu de la chance, mais pour le moment, ça se passe. Le temps est clément. Encore heureux qu'on a notre cache-oreille, hein, c'est ça qui fait la différence. Quasiment certain que c'est ça qui fait la différence. Je suis sûr qu'on doit être à 0. Ou peut-être plus 1, mais je suis sûr qu'on est plus à 0 qu'autre chose. En fait. C'est pas ça. 0. Vous voyez? Donc, ouais. Encore heureux qu'on a le cache-oreille. Et c'est pas la première fois qu'on est à 0 comme ça. Donc il y a sûrement une sorte de... genre de cap, vous voyez, dans le sens où... c'est calculé automatiquement... enfin, pas automatiquement, comment expliquer? C'est des certains grades, enfin des certains rangs de degrés en fait, qui sont retirés quand il fait froid et tout ça. Et la plupart du temps, ça arrive du coup à 0 pour nous. Et oh, toi t'es pas censé faire ça? Tu vas te tomber à la fin de la map. Le truc qui passe dans le tunnel. J'ai tourné un peu vite, ça a lagué. Muskeg morne. Ah, j'irais bien me balader, honnêtement. Mais je vais faire plusieurs... je crois que je vais commencer à faire plus de... deux runs comme ça où j'ai quasiment aucun outil, genre que le couteau, parce que c'est vrai que les autres outils, on les utilise très peu au final. Donc du coup, pas vraiment besoin de trimballer 40 kg de bordel sur nous, quoi, j'avoue. J'avoue. Après, j'aimerais bien pouvoir les entreposer quelque part. Genre, vous savez, les poser automatiquement et je sais pas, genre avoir des builds peut-être, j'en sais rien. Ça serait beaucoup plus rapide. Je suis en train de regarder en fait s'il n'y avait pas des nouveaux arbres à glands là, parce qu'on en a déjà trouvé du coup.
qu'il y en a sûrement autre part. C'est un ours, ça? C'est un ours. Je vais être franc, je suis tenté d'aller chasser les ours de Muskegmorm. Extrêmement tenté de le faire. Ouais, parce que c'est plus de 10 jours, je crois, pour les peaux d'ours, donc je suis vraiment tenté d'aller le faire, là. Il faut plus de peaux. Il y a les élans aussi. J'ai zéro peau. Enfin, je dois en avoir sûrement une, mais elle doit être genre ou à 1000 tonnes ou je sais pas où. Mais ouais. Ça aussi, une peau d'élan. Si jamais il rajoute des choses avec les peaux. Ce qui serait logique. Hein. Au lieu de faire des vêtements uniques là qu'on peut jamais trouver. On a eu de la chance, hein. Oh, un ours là-bas. Ouais, il faut vraiment que je chasse les ours de Muskegmorm. En plus, je crois que je l'avoir déjà dit, ça, mais c'est vrai que j'y suis jamais retourné, en fait. J'y suis jamais volontairement retourné chasser les ours de Muskegmorm. Parce que, en fait, Muskegmorm, c'est un peu un problème, c'est que... Bah, voilà, vous avez compris, quoi. C'est tout plat. Il n'y a pas vraiment d'endroit pour se cacher. Il faudrait venir avec, à la limite, beaucoup de bois pour pouvoir faire un feu à chaque fois que vous devez, genre, récupérer une peau ou un truc comme ça. Ou alors avoir un peu de chance et, genre, un temps, genre, une journée ou une demi-journée, là, comme ce qu'on a eu, où il fait très beau et vous n'avez pas froid. Vous combattez l'ours, vous récupérez sa peau et vous vous cassez. Après, pour récupérer toute la viande, bonne chance, hein, parce que c'est à chaque fois du 30 kg quand même. Hein. Donc, à la limite, vous pouvez prendre un petit 10 kg de viande et vous casser peut-être, quand même. Ça peut le faire. Mais ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop chasser à Muskegmorm, en fait. J'aime pas trop aller chasser les ours à Muskegmorm. C'est parce que je sais que ça va finir par être du gâchis. Donc je le fais pas. Mais Muskegmorm est pas mal en fait, au final. Puis il y a toutes les massettes aussi, il faudra les récupérer. On a fait surtout ce côté-là. Alors je sais pas si c'est nord-ouest, j'en sais rien. On a fait surtout ce côté-là, on va dire le côté de la forge. Qui est de ce côté-là des rails en fait. Et j'ai pas trop fait ce côté ici en fait, à l'opposé de la forge. Et je suis sûr qu'on peut sortir avec plein de champignons, de baies, peut-être des bois pour faire des flèches et tout ça. Je suis sûr qu'on peut sortir avec plein de trucs. Donc ouais, ça vaut le coup sûrement. Ça vaut vraiment le coup. Mais ouais, soyez léger. Soyez léger. Après, pour en revenir avec le poids, là, je parle beaucoup, hein, parce que là, on fait des chemins qui sont très très longs. Mais bon. Pour en revenir avec le poids, des gens aiment bien sortir, genre, à faire des vêtements en peau de loup, par exemple. C'est moins lourd et tout ça. Mais... Pour ma difficulté, pour le temps qu'on est, là on est quasiment à 200 jours. Il fait trop froid en fait. Vous voyez que là on n'a pas eu froid depuis le début.
On est allé une fois dans un bâtiment et c'est tout. Simplement une fois. Ouh, c'est quoi ça en face? C'est pas un ours là? Ou c'est un bout de bois On va voir. Mais vous voyez, on n'a pas eu froid en fait, du tout. Pendant quasiment la totalité du trajet. Et je suis certain que si j'avais des vêtements en peau de loup, on aurait eu froid. Certain. Donc c'est pour ça, on peut pas vraiment se permettre de porter autre chose en fait. Ah non, c'est juste des troncs d'arbres qui décorent. Ça va. Après, comme j'ai dit, si jamais le thermos là, change la donne et permet de toujours avoir ce bonus là, de chaleur, en tout cas plus facilement, peut-être que là on pourra voyager plus léger vu qu'on aura moins de problèmes de chaleur. Donc ouais, là ça peut, ouais. Mais on verra ça, on verra plus tard. Sûrement dans 2 ans. Faut pas rigoler, hein, c'est pas drôle. Ok, on y est presque. Mais j'ai envie de dire que ça va pour le moment. Sprinter. On est quoi? Début de la nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On fait notre... On arrête notre épisode là, parce que c'est vrai que j'avais fait plusieurs épisodes 2 fois d'affilée qui faisaient genre 1h20. Peut-être qu'on va s'arrêter là. Un petit épisode cette fois. Parce que le problème, c'est qu'il faut que je me prépare pour partir. Il faut qu'on passe la nuit. Et ce qui va se passer, c'est que... En fait, le temps qu'on se prépare et tout ça, on va faire 10 minutes de trajet et après on va devoir s'arrêter. Donc... et apparemment, on m'a dit que c'était lié donc à la radio. Le tas de neige là qu'on avait vu la dernière fois, vous vous rappelez, avant de partir de la vallée charmante. Donc c'était lié à la radio. Donc je suis en train de me demander aussi, peut-être qu'on va aller prendre récupérer des ressources. Enfin, quoique, on peut pas vraiment trimballer grand chose si on trimballe la radio. Faut que je me prépare. Mais en gros, ce que je voudrais potentiellement, si on va regarder la carte. Vu qu'on va activer la radio, ça va couvrir du coup la vallée charmante et d'autres zones. Et du coup, peut-être qu'on pourrait rester la nuit pour une aurore boréale et essayer de trouver une cache. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Mais encore une fois, les aurores boréales, c'est méga aléatoire. Donc je promets pas que ça marche, mais je veux bien rester quelques jours en fait. On continue. J'ai dû faire une petite pause. Ok, on arrive. Non, on arrive, on arrive. Eh ben, je... Je pense que notre aventure s'est super bien passée. Il n'y a pas de plume.
Je sais pas si on les voit, mais normalement, il y a une ligne de trois loups, en fait. Là, on peut en distinguer un seul. Mais il y a une ligne de trois loups, comme ça, en ligne. Donc, c'est plutôt cool. Ok. Et bah, du coup, on est arrivé. On est arrivé, c'est bien passé. Ça s'est super bien passé. Bon, bah, du coup, on a récupéré... Bon, on a récupéré trois glands, c'est cool. On a récupéré notre petite batterie. Donc on va pouvoir placer. On va manger ça. Et du coup, je pense qu'on va finir notre épisode ici, comme j'ai dit. Parce que sinon, ça va prendre trop de temps après pour y aller. Et je voudrais aussi, vu que on a peut-être dans... Peut-être qu'on va aller, du coup, comme j'ai dit, passer un petit moment là-bas. Pour voir si on peut pas avoir une aurore boréale et tout ça. Et du coup... du coup, essayer de trouver un emplacement, en fait, de cache et tout ça. On va peut-être rester un petit moment là-bas. Donc, je voudrais faire ça en un seul épisode, un commencement d'épisode. En tout cas, donc, moi, je vais m'arrêter là. Ce sera notre épisode. Donc, ça, c'est super, encore une fois, ça s'est super, super bien passé. On a du bon équipement, donc on reste très chaud. C'est super, super bien passé. Je suis très content de ça. On n'a pas eu froid une fois. C'est un peu abusé. C'est un peu abusé. C'est tellement rare, en fait. Donc, c'est sûr que c'est assez intéressant de voir ça de temps en temps. Et ce que je vais faire, je pense que... Je vais encore passer quelques heures... Enfin, quelques journées dans le jeu. Et je vais aller chasser les ours, en fait, qu'on a vu à Muskegmorn. Comme ça, je pourrais avoir des pots de réserve. Je pense que je vais faire ça. Parce que là, c'est vrai que ça valait potentiellement le coup d'aller chasser les ours. Donc, ouais. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Et ouais, prochain épisode, on repartira donc à la Vallée Charmante. On ira activer la tour. Ah oui, j'avais dit que... Parce que vu que j'ai dû faire une pause, j'ai un peu oublié de regarder ça. Comment on fait pour regarder les antennes radio? C'est comme ça? Vas-y. Muskegmorn... Vallée Charmante. Je me rappelle plus comment on fait. Comment on fait? Changer la carte du monde. Non. Bah, celle-là, moi, c'est ça que je veux. Transmetteur couvre la région de la Vallée Charmante et du Lac Mystère. Ok, ouais. Vallée Charmante et Lac Mystère. Donc, en fait, ça serait vachement bien aussi pour moi, pour le Lac Mystère. Donc, ouais, faut absolument qu'on la fasse, celle-là. Ouais, faut absolument qu'on la fasse. Donc, ouais. Ça sera cool. On fera ça la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.